Bonjour, bienvenue à tous pour un troisième let's play sur Zelda Skyward Sword HD Switch. Alors je suis désolé, du coup on a été resté la dernière fois sur le... J'avais eu le parachal, hein, suite vu que j'avais gagné la course de Célestrier, je vais récupérer la statuette. Et j'avais galéré un petit peu, en fait j'avais plus trop de mémoire sur mon ordinateur. Donc j'étais obligé de clore la vidéo et donc j'ai libéré de la place. Et ensuite j'ai réussi à faire le saut de parachal, à atterrir dans le centre de la cible. Et après j'avoue j'ai continué, je pensais que j'allais pouvoir sauvegarder. Et en fait non, ça a enchaîné sur autre chose. Donc du coup je suis désolé, j'ai pas fait grand chose non plus, hein. En fait, une fois que je suis atterri dans le cercle, après le saut en parachal, Zelda a voulu qu'on fasse une petite base dans le ciel, qui a une petite séquence cinématique entre guillemets, hein, avec le moteur du jeu. Donc il voulait un peu dans le ciel, après il y a une sorte de tornade de sable, et ça en est là en fait. Donc vous n'avez pas de grand chose. Voilà, c'est ça en fait. La base a vraiment tourné court, donc Zelda a disparu, absorbé par une sorte de tornade de sable. Donc je suis désolé, j'aurais dû relancer un live après que j'ai réussi le saut en parachute en fait. Parce que j'ai un petit peu galéré, j'avoue. Motion gaming, c'est pas si simple, hein, l'air de rien. C'est pas si simple du tout. Zelda est en danger, comme d'habitude en même temps. Elle est toujours en danger. Tu es réveillé. Oh. Donc le père de Zelda. Donc le but doit être de retrouver Zelda. Un peu comme d'habitude finalement. C'est assez sage, effectivement, dans la nuit, ça va être compliqué de la retrouver dans l'obscurité. Ah, mais il est optimiste, lui, c'est bien. En tant si elle était morte, il n'y aurait pas de jeu. J'aimerais bien faire un petit peu de boutique d'ailleurs. Maintenant j'ai que 68, de toute façon je peux pas acheter grand chose. Peut-être des... je sais pas s'il y a des cœurs en réserve ou... Je
crois que c'est un esprit qui va m'aider en fait. Sympa, franchement, c'est vraiment envie de continuer. Mis à part des passages un peu ardu en termes de gameplay avec motion gaming, quand même. Même si je crois que je pourrais régler pour jouer avec des manettes normales, mais bon, c'est sympa aussi d'avoir une petite originalité, un gameplay un peu différent. C'est le petit chat que j'avais sauvé l'autre fois. Il a l'air sympathique, là. Emblème dissimulé en passage secret. Donc il y aura un donjon, j'imagine, dans la statue de la déesse.
Non, mais les... c'est l'épée des légendes, non? Ok, donc on va prendre l'épée. Se préparer. Ben je me prépare, ouais, je sais pas. Ça passe rien. Qui apparaît à un moment donné, mais il est parti. Ah, d'accord, c'est vraiment pour choper le bon moment. Pourquoi ça marche pas? Ah d'accord, ok, je comprends. Les motion gaming c'est sympa, mais c'est pas du tout évident. Ouais, là, il faut faire quoi? C'est quoi? C'est l'esprit de l'épée ou c'est... Je crois que c'est ça. Hein. Ah.
quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Je bois un petit coup d'eau quand même. Hein. Alors, le guide de l'enfant, hors de l'épée, s'élance, juvénilise sont ses traits, mais grande et sa sapience. Bon, sapience, c'est le savoir. Hein. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'on reçoit aux ancêtres. Oui, c'est un peu. Les légendes deviennent de plus en plus oubliées ou sont mal racontées, donc du coup on perd des infos. Ouais. Elle va raconter la légende, c'est ça? Élu par la déesse pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin et la quête qui incombe à ce fils du destin. L'arme à main sous la nuée, la prêtresse l'y rallie. D'une grande lumière, la terre l'y ramène à la vie. D'accord, donc si je me rallie à la prêtresse de Kézeda, on va sauver le monde. Quand on... explorer le monde qui existe au-delà des nuages, par-delà les nuages, la terre, donc en dessous. J'ai pas bien compris. Frapper cet emblème avec l'éclat céleste, plus placé la stèle que je veux dire. Avec l'éclat céleste. Oui, brandissez vos. Ah, d'accord. Le bras bien droit vers le haut. Hein. Donc là, je peux mettre le bout de stèle. Ok, donc il y aura d'autres bouts à mettre, hein, forcément.
C'est sympa de pouvoir sauvegarder aussi un peu. Comptez sur moi. Pas de soucis, je vais aller sauver Zelda et sauver le monde aussi. Comme d'hab. Ah, donc je vais avoir une nouvelle tenue, peut-être avec une meilleure défense, je sais pas. Ouais, je vais me changer et peut-être sauvegarder aussi. Ah, la tenue traditionnelle, toute verte. Ça fait plaisir. À l'ancienne. Non, le vert, ça lui va très bien. Oh, il est stylé comme ça. Bon, sa tenue... d'avant était cool aussi, mais là, bon, là, il est stylé, c'est le Link qu'on connaît, quoi, des débuts. Ouais, je suis passé en ville pour bien me préparer avant de partir. Cadeau, c'est cool. J'ai obtenu la sacoche d'aventurier. Ah, je pourrais peut-être mettre plus d'objets dedans. Ouais. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Ouais, je vais aller au marché quand même. Bah oui, bouclier, potion, c'est clair, c'est utile. Il y a les 4 objets. Je vais être la chambre d'Ergo. Je peux le piquer des rubis, peut-être, non? Thank you.
Bon, allez, on va au marché. On va sauvegarder depuis le temps. Que la stèle que vous avez placée hier soir dans la Cyclades a ouvert un passage vers la Terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur Terre uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Donc elle m'incite vraiment à aller au marché. Ouais. Ouais, je saurais qu'il faut des potions en pied. Enfin, on voit la lumière verte devant. Oh, c'est sympa, c'est joli. Alors, le marché, il est par là. Par contre, est-ce que j'aurais su dormir? La nuit, qui se passe pas le jour, des événements, ouais. Oula. D'accord, donc je peux améliorer deux objets, ok. Préparer le bouclier, ok. Là, pour l'instant, je peux améliorer l'épée peut-être. Non. C'est l'épée divine, bon. Ça aurait été un peu compliqué, je pense. Alors, ensuite, là, il y a un coffre. Je peux pas l'ouvrir pour l'instant, c'est ça? Ouais, je peux pas pour l'instant. Dommage. Marie, sinon, ok. Il faut un arc. Ouais, d'accord. Là, pour l'instant, il y a encore des trucs que je peux pas acheter. Ok. J'ai pas lance-pierre non plus. Très bien. Bon, je peux pas acheter les munitions. Là, je pense que c'était plus sûr. Un flacon. Sinon j'aurais pu... Je crois que j'ai un flacon.
Logique, pour mettre des têtes des abeilles, des fées. Alors, je prélève lequel? Je pense que la VR va être une fonction de la VR. 8 coeurs, sympa. Pour l'instant, 8 coeurs, de toute façon, j'ai 3, 6, donc pas besoin de plus. La voyante. On dirait un mec en moustache, mais ouais, putain. Un rubis. Oh, ok. C'est un voyant. Je sens, je vois la lumière, ouais. Je vois de la végétation, une forêt, des arbres, beaucoup d'arbres. Je vois une région boisée, je te conseille donc d'acheter un bouclier en bois. La poisson rouge, je l'ai déjà. Ok, bon. Il faut du coup j'achète un bouclier. Ça, j'y suis déjà allé. J'ai pas vu. Ça compte, mais ok. Bon, ventre, il se brise facilement et il brûle facilement. Au moins, il me protège. Pour l'équiper, appuie sur R et sélectionne-le parmi tes objets. Hop, faut relâcher. Thank you.
partir. Disons j'ai que 10 réveils. Alors sur le plan. Je vais retourner au terrain d'escrime. Comme ça c'est bien, je sais manier l'épée, je sais voler. Là je vais apprendre à me servir du bouclier. Thank you.
Mais c'est pas eu dans le motion gaming, franchement. Attends, j'étais bien arrivé la dernière fois. Ok. J'étais bien arrivé avant à faire les trucs verticaux, mais je sais pas, ça bloque. Bon, en fait, du coup, pied, c'est super simple. Bon, du coup, on va sauvegarder. On va finir ce troisième let's play. Donc sur la découverte de l'épée de légende et puis les achats de boucliers de potions. L'entraînement à la défense. Et du coup je vous dis à très bientôt pour le quatrième let's play. Du coup on partira explorer sous les nuages pour essayer de retrouver Zelda. Et découvrir donc la Terre. Donc, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, hein, à vous abonner, ça me ferait plaisir. Partager, liker. Je vous dis à très bientôt et enjoy notre passion de jeux vidéo. À bientôt.